Voilà. Un terroriste infiltré dans la préfecture de police de Paris, comment est-ce possible Eric Pelletier, c'est la sidération qui domine. Ah, évidemment, là, au fil des heures, on découvre des pans entiers qui laissent à penser qu'on n'a pas pris en compte des choses qui étaient remarquées par les collègues de, de, de cet agent administratif. Et je me pose évidemment la même question que notre téléspectateur, et je pense que les autorités aujourd'hui se posent la même question. Quid des signalements Où sont-ils Qu'a-t-on fait Et en réalité, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Alors même que dans d'autres sphères qui sont beaucoup moins sensibles, je parlais de l'administration par exemple et de, de l'éducation nationale, on aurait pris des mesures contre ce genre de comportement. Les syndicats accusent un hein, syndicat oui. qui dit le préfet, la préfecture de police a essayé d'occulter le processus de radicalisation. Il faudra le voir. C'est ce que disent un certain nombre de fonctionnaires de police qui, qui, qui disent qu'ils ont eu du mal à s'exprimer et même à faire valoir. C'est que... pas possible au sein de chez nous qu'il y ait des, des brebis galeuses. C'est difficile à admettre. Il faut d'abord regarder ce qui s'est passé euh, au niveau mondial. Des personnes djihadistes qui passent à l'acte... Alors même qu'elles étaient dans une institution comme euh, la Défense, il n'y en a pas tant que ça. Euh, la CIA, euh, le poste de la CIA en 2009, euh, au sud de l'Afghanistan, a été détruit par euh, une source qui a été retournée. Mm. Et c'était un traumatisme. Mm. Mais des, par des actions. Par un membre de la CIA, donc, pas, qui a par, été retourné. Non, par un agent local, euh, recruté par la CIA, et qui s'est fait exploser au sein de l'équipe de la CIA. Une bien dizaine bien. de morts. Bon, c'était un agent triple, absolument. Ah, ouais. Aujourd'hui, on a euh, chez nous. Quatre morts, et, et ces quatre morts, plus les blessés, euh, ont été commis par un agent administratif qui était dans la sphère du renseignement. Comment a-t-il pu entrer avec des couteaux dans la préfecture C'est vrai qu'on a beaucoup dit au début que c'était des couteaux céramiques, mais le procureur le a certifié que ce sont des couteaux métalliques. Deux couteaux, un couteau à 8 et un couteau... Métallique donc du, avec une lame de 20 cm. Ce mmh. sera l'une des questions de l'enquête. Quand on rentre aujourd'hui à la préfecture de, de police de Paris, il y a une entrée entre guillemets professionnelle, une entrée ouais. euh, publique. Tout le monde est fouillé. Le public est évidemment plus fouillé. C'est le problème du terroriste, c'est que c'est une vigilance de tous les instants. Et effectivement, ce monsieur qui travaille depuis 2003, que, que tout le monde connaît euh, manifestement, euh, rentre avec un, un armement qui n'est pas euh, détecté. Donc il y a, hélas, euh, ce soir beaucoup de failles qui sont mises en avant, cela en fait partie. Moi, moi je pense surtout qu'avec une carte de police, on rentre sans absolu. être fouillé. Il n'y oui. a pas un portique quand mais même. On ne pas, non, non, pas vous mais par mais son, mais pas mais... Tous seuls je... parce qu'ils sont armés. Voilà. Et lui, ah, oui, oui, oui. Mais vous rentrez avec votre carte de police, euh, si on sonne et on passe. Mais c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudra qu'il y ait un avant et un après sur toutes ces zones de vigilance. Là, il va falloir en tirer vraiment toutes les conséquences. Mais c'est aussi l'état de la menace aujourd'hui. Quand on dit qu'on n'est plus sur une menace exogène parce qu'on a vaincu militairement l'État islamique, même s'il y a une certaine forme de résurgence, n'empêche que sur le plan... Idéologique, je me garderais bien de dire qu'on a gagné. Non. Quand on regarde l'état de, de nos prisons, c'est un individu qui ne s'est a priori pas rendu dans un théâtre d'opérations terroristes extérieures et pour autant, il a reproduit le même mode opératoire oui. qu'une organisation terroriste, comme s'il aurait pu être, j'ai envie de dire, téléguidé depuis la Syrie euh, ou, ou euh, l'Irak. Donc c'est l'état de la menace aujourd'hui. Oui. Comment faire confiance aujourd'hui à nos services de renseignement En termes de réputation, ce n'est pas terrible, non De ne pas avoir vu en son sein, à la direction des renseignements, qu'il y avait un terroriste en puissance D'abord, il faut savoir, face, savoir faire face à l'événement, c'est-à-dire admettre ce qui s'est passé. On n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'il y a encore des non-dits, euh, des rimeurs qui circulent. Aujourd'hui, et fort heureusement, le procureur national antiterroriste a euh, acté des faits qui, ouais. euh, jusqu'à présent, euh, étaient parfois même contestés par les autorités policières. Donc aujourd'hui, on a des faits, on est passé au travers ouais. d'un euh, agent double pour. Et comment faire terme. confiance à ces renseignements qui ne savent même pas reconnaître un agent... Euh, Regardons les euh, choses dans leur globalité. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir de ce euh, drame terrible, il y aura un avant, il y aura un après, mmh. c'est certain. Regardons euh, ce qui se fait à côté. C'est-à-dire, euh, là aussi, j'ai écrit un ouvrage assez critique sur euh, la manière dont on abordait le terrorisme au sein des services d'enseignement. De je mesure l'immensité de la tâche qui est la leur, l'immensité de la tâche. Mmh. Donc je pense qu'on a des services qui sont performants, mais des failles qu'il va falloir au plus vite combler. <laughs> l'assaillant à son travail a-t-il pu prévenir des fichiers s supprimer des fichiers s euh, des bases de données puisqu'il avait il était informaticien? non il y, y a beaucoup de confusion euh, dans cette oui. question parce qu'hélas, euh, les fichiers s on le rappelle à chaque fois euh, n'est pas forcément un, un outil qui travail. est utilisé euh, dans ce cadre là en particulier. il euh, faut pas faire de spéculation euh, inutile et – Je pense qu'il ne faut pas paniquer non plus les ouais. populations. – Non mais il avait, il avait des les infos, infos il, il a pu il, utiliser. – Alors, il avait ouais. accès potentiellement à des informations sur un système euh, informatique, parce qu'il avait un terminal, c'était quand même un fonctionnaire euh, de catégorie C chargé de la maintenance, il n'était pas… – Catégorie C, c'est le premier échelon. – Oui, ouais. mais ce n'était pas, lui qui, qui barba, de, de, de de, pas lui qui était hein. chargé de, de mettre euh, les classifications, etc. Ce n'était pas lui qui était chargé de gérer ce qu'on appelle le portefeuille des individus surveillés, mais c'est effectivement ça aussi une enquête qui est posée, sachant que dans d'autres dossiers, il y a, ça a été raconté. Euh, des, euh, des fichiers confidentiels ont circulé. C'est notamment euh, déroulé après euh, l'affaire de Magnon. En fait. oui, Il y a deux éléments. Lorsqu'on vous donne par exemple cette habilitation secret défense, vous avez toujours le terme besoin d'en connaître. C'est-à-dire que vous travaillez sur des informations qui concernent votre dossier en particulier. Il faudrait vérifier si lui, avec des codes administrateurs, pouvait visionner des documents ah, oui. et pouvait, le cas échéant, les transmettre. Je rappelle qu'on a aujourd'hui des systèmes d'information, notamment la DGCI et autres, où euh, vous pouvez avoir vous avez des fonctionnaires qui, lorsqu'ils consultent d'autres dossiers sur lesquels ils n'ont pas consulté, ils perdent leur habilitation. Et vous avez de la jurisprudence administrative qui retoque systématiquement les fonctionnaires quand ils font appel de leur décision au motif qu'on leur a supprimé cet accès. Donc je, je, je suis plutôt assez vigilant par rapport à ça. Il euh, y a des systèmes d'alarme aujourd'hui, il y a des algorithmes qui font qu'on ne fait pas ce qu'on mmh, veut avec mmh. les systèmes d'information. Alors comment devient-on un agent habilité Secret Défense Quelles enquêtes sont effectuées et sont-elles renouvelées fréquemment Alors. Euh... C'est euh, donc, on l'a expliqué. Vous avez euh, trois types d'habilitation, euh, confidentielle défense, secret défense ouais. et très secret défense. Et donc, on vous l'attribue entre 5, 7 ans, 10 ans, en fonction de l'habilitation. Et donc, euh, quand on vous la donne, c'est parce que vous avez une fonction particulière qui nécessite cette habilitation pour manipuler de la donnée. C'est quoi la donnée Ça peut être sur des sujets politiques, militaires, scientifiques, industriels, et donc vous avez besoin Mais de connaître est, de l'information. on enquête sur votre parcours, sur et qui vous alors, êtes, sur on, les on, gens que vous fréquentez Vous avez une enquête de moralité en fonction de l'habilitation, vous ouais. avez une enquête de moralité et lorsque l'habilitation est poussée, lorsque vous travaillez sur des dossiers très particuliers, l'enquête le, administrative peut aller très loin, c'est-à-dire de la filature, c'est-à-dire euh, mettre euh, ouais. votre environnement sur écoute pour bien vérifier que vous ne présentez pas ce qu'on appelle une vulnérabilité. C'est-à-dire qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment donné, vous pourriez être corrompu par une puissance ou par une organisation étrangère. De ce point de vue, il y a environ 400 000 personnes en France qui ont une habilitation, qui ont la possibilité de consulter des documents. C'est partout, c'est dans des universités, c'est dans, dans des administrations c'est même dans des entreprises privées industrielles. si son épouse savait que risque t elle, éric pelletier. On verra d'abord ce que donne la garde à vue. Hein. Il reste par à peu complicité. près 48 heures de, de par, garde à vue. Vraiment, elle devra s'expliquer. Ah. Mais l'enquête est en cours. L'assaillant a été tué, donc bien évidemment, il ne peut plus être poursuivi. En revanche, elle peut être poursuivie pour, pour complicité, voire non, pour, pour action, gros, oui, non pour dénonciation, dénonciation, complicité, pour, pour complicité par facilité. Ouais. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Demain, c'est politique. Karim Rissouli recevra l'écrivaine Marie euh, Marie seck Bonne soirée sur France 5, vous restez avec nous à suivre, c'est l'hebdo.